Bonjour, veuillez m'excuser pour mon absence, mais ne perdons pas plus de temps. Où j'en étais? Ah oui, après plus d'un millénaire de guerre infinie, les barbares continuaient de terroriser le peuple. Les flèches continuaient de pleuvoir sur le peuple barbare tandis qu'il proliférait. En parallèle, les explorateurs s'enfonçaient vers le sud et on finit par tomber sur des barbares! Encore! Ouais! On peut également observer une amélioration du côté maritime. Les premiers navires français faisaient leurs explorations plus au nord et ont pu confirmer que le territoire des barbares était très petit. Et pour revenir sur les explorateurs du sud, les barbares les ont forcés à se replier. Leur cavalerie leur a donné du fil à retordre. Et c'est malheureusement 25 ans plus tard que les explorateurs d'Afrique et d'Asie sont exterminés par ces derniers. Il ne restait plus que le nord. Les futures années furent plutôt calmes pour la France. Mais c'est en 550 avant Jésus-Christ que Rome se montrait plutôt agressif envers la France. Supérieure technologiquement, elle n'en ferait qu'une bouchée. Mais à côté de cela, elle finissait par enfin se débarrasser des barbares. Petit à petit. Pendant que les tensions s'accumulent en Europe, des navires font la découverte d'une terre glacée au nord. C'est finalement en 425 avant J.C. que la France fait la découverte de la philosophie, un art et une science permettant une plus grande ouverture d'esprit et par conséquent l'apparition d'un type de gouvernement. La France a dû donc faire un choix. Plusieurs possibilités s'ouvraient à elle. L'oligarchie, basée sur l'armée et l'ordre, la république classique qui emprunte une voie plus pacifiste basée sur les sciences, l'art et les pensées, et enfin l'autocratie qui mélange un peu les deux. Et c'est le choix qu'a fait la France. Elle s'aligne donc sur l'Italie. Après un énième effort des soldats français, des colons ont enfin pu poser le pied sur les terres barbares, mais il fallait rester attentif. C'est 50 ans plus tard que les efforts ont enfin payé. Une première mine a pu être construite, suivie d'une ferme. Pour continuer dans la lignée, on peut aussi noter que la France fit enfin la découverte d'une première ville scandinave. On approche petit à petit de l'an 0, et la France n'a toujours qu'une seule ville. Elle commençait sérieusement à être jaloux des autres. Étendre les frontières n'était plus une priorité, mais une nécessité. La guerre fait rage et les frontières continuent de s'étendre. L'an zéro est passé et le retard accumulé paraît irrattrapable. C'est alors que la France dut prendre une décision compliquée, lancer un assaut généralisé pour enfin construire une deuxième ville. Tandis que les premières troupes françaises débarquent, les colons sont escortés jusqu'à une terre pouvant accueillir une nouvelle ville. Aucune armée ne pouvait arrêter la vague française! Peut-être que si, mais pas celle des barbares en tout cas. Dans le désespoir, les barbares envoyaient leurs éclaireurs. C'était fini pour eux. Et c'est finalement après plusieurs millénaires de débâcle qu'une seconde ville fut fondée, Rouen. Une ville connue aujourd'hui mais elle est connue. Peu après la fondation de Rouen, Catherine décida de continuer vers le nord pour éradiquer une bonne fois pour toutes ces dangereux barbares et éventuellement fonder une troisième ville. Certes, ces villes seraient serrées, mais plusieurs villes permettent d'amplifier le commerce et d'accroître le développement du pays. D'ailleurs, la ville de Rouen fut plutôt rapidement développée pour rattraper le retard considérable qui était jusqu'alors irrattrapable aux yeux de la nation. Humiliés et tués jusqu'au dernier, les barbares se retranchaient dans leur dernier campement. La facilité à quel point les troupes françaises ont débarqué sur la côte après autant d'années était plutôt déconcertante pour certains. De premières divergences au sein du gouvernement sont apparues. Certains séparatistes ont même déclaré « Comment ça se fait qu'on y arrive d'un coup alors qu'on se fait péter le cul depuis 1000 ans ?» Et je parle pas de la ville. C'est d'ailleurs peu de temps après cette victoire que les Français ont fini par découvrir les mathématiques, ce qui les aurait sans doute aidés pour calculer ou tirer leurs flèches. Ce fut à partir de ce moment le début d'une phase plutôt calme. Enfin bon, si on peut dire calme, puisque les escarmouches continuaient, c'était juste pour éradiquer les derniers barbares, et ce d'ailleurs jusqu'à l'éradication de leur dernier camp. Enfin, d'après leur connaissance à cette époque, vous verrez que ce que lui réserve le futur de la France reste tout de même mouvementé. Après la dernière poche de résistance supprimée, plusieurs possibilités s'ouvraient à elle. Fonder de nouvelles villes sur les îles présentes, ou améliorer les villes déjà existantes pour renforcer son économie. Et la décision était prise de faire les deux en même temps. Après le renouvellement des amitiés, Rouen suivit un programme d'industrialisation intense pour rattraper ce retard. Plusieurs territoires furent désignés pour la production de nourriture, tels que des champs ou encore des lieux de pêche, de même pour les minerais. En parallèle de cela, le pays a même pu faire ses premiers échanges avec d'autres civilisations. En l'occurrence, l'objectif était de pouvoir pénétrer dans les terres d'autres personnes, pour pouvoir ensuite outrepasser ses limites de frontières et rejoindre d'autres endroits que personne n'avait encore revendiqués, dans le but de fonder une autre ville en Afrique. C'est à ce moment-là que l'armée française commençait à se préparer à une prochaine bataille, plutôt devrais-je dire guerre, contre l'Espagne. Ce pays plutôt compact à la manière de la France avait une armée plutôt puissante certes, mais en y mettant les moyens nécessaires, elle pouvait éventuellement venir à bout. Cependant, Catherine de Médicis avait au fond d'elle un mauvais pressentiment. Dû au passage étroit entre la mer et les montagnes, elle avait peur que ses troupes ne puissent jamais pénétrer en Espagne et inversement, et que cette guerre dure éternellement.
C'est à ce même moment qu'elle se rendit compte que les Scandinaves étaient déjà en train d'exécuter son plan. Pour certains, c'était vu comme l'occasion de trahir le vieil ami, car on rappelle que l'Espagne est en bon terme avec la France. Tandis que d'autres voyaient littéralement l'Espagne comme un buffet qui est en train de se faire voler. Ou encore une minorité qui pensait qu'aider l'Espagne pourrait être bénéfique. Et ce troisième groupe étant minoritaire, sera celui qui va être écouté par Catherine. Le goulot d'étranglement au sud de la France était bien trop dangereux. Voyant le débarquement intensif au nord de l'Espagne, de la part des Scandinaves, Catherine y voyait une occasion à saisir. Toutes les troupes des Scandinaves étaient occupées. De plus, les Scandinaves n'aiment pas la France depuis le début. Et l'Espagne est un ami, une trahison est très mal vue. Alors, l'occasion était toute donnée. Elle sauve l'Espagne, s'occupe des Scandinaves et agrandit son territoire. Cependant, ce plan allait mettre un peu de temps à s'exécuter. De plus, l'Espagne savait parfaitement se défendre. Une invasion navale à cette époque, alors que l'ennemi a des armes de siège pour se défendre, n'est pas une très bonne idée. Pour l'instant, il y avait un autre problème. Des colons scandinaves qui avaient pour intention de s'établir aux mêmes endroits que la France. C'est pour cela qu'elle s'est empressée de produire des troupes et des colons pour aller coloniser les îles avant elle. De toute façon, elle les aurait repris par la force, mais c'est toujours mieux de le faire en évitant de tuer des hommes. Comme vous aurez pu le voir à l'image, l'industrialisation continuait. C'est notamment le cas pour Rouen qui en quelques décennies a doublé sa production de nourriture. Et en plus de sa capacité de production, on peut voir qu'elle offre pas mal d'opportunités de commerce. Et ce, en ouvrant de nombreuses voies maritimes, permettant à la France de rayonner chaque jour un peu plus. Mais comme les bons moments ne durent que peu de temps, une nouvelle ayant rendu fou de rage Madame de Médicis lui est parvenue. Les Scandinaves ont réussi à fonder une ville, et encore pire, non pas sur les îles qu'elle ciblait, mais directement sur notre territoire. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La voix minoritaire qui disait d'attaquer les Scandinaves pour protéger l'Espagne est d'un coup devenue majoritaire. Il fallait reprendre nos terres et humilier ces Scandinaves qui nous considèrent comme des moins que rien depuis des millénaires. L'objectif n'était plus de prendre une île maintenant, mais de récupérer nos terres et de prendre une ville. Au vu des informations que nous avons sur les armées, nous savons que la France a une armée très... douteuse, sous-évoluée technologiquement, sous-équipée et en infériorité numérique. Pourtant, la France va quand même prendre la décision de déclarer la guerre aux Scandinaves. La position défensive qu'offrait Rouen lui aurait au moins permis de faire une égalité avec son ennemi. Car même si les ennemis sont supérieurs technologiquement, ils ne pourront pas débarquer sur Rouen, car ils se feront accueillir par des flèches avant même d'arriver. Après une phase de préparation de guerre, durant laquelle la France s'est assurée que ses alliés resteraient ses alliés et que ses ennemis n'entreraient pas en guerre avec elle, et ce grâce à de généreux pots de vin, notamment avec Rome, le deuxième potentiel ennemi de la France. Et il faut d'ailleurs dire que la récente production de troupes de la France n'a pas inquiété plus que ça la Norvège. Elle était même ravie au contraire. Ce peuple guerrier fan des océans était heureux de savoir que la France avait un famille à niveau sa marine. Est-ce que leur but était de faire se sentir coupable Catherine? Je ne sais pas, mais en tout cas, rien ne l'ébranle. Le peuple français avait soif de sang. Faut dire que depuis tous ces millénaires, ce sont les victimes de l'Europe. C'était l'occasion de montrer qui c'est le patron, merde. Les armées n'étaient pas tout à fait prêtes au moment de la déclaration de guerre, mais cela aurait suffi le temps de défendre Rouen et de ramener les renforts. Il n'y avait pas une minute à perdre. Le but était de faire tomber très vite Bergen. Cela aurait permis de saper le moral des troupes ennemies et d'obtenir la victoire le plus vite possible. Après la fondation de la ville de Toulouse qui fut renommée rapidement Ilia parce que c'est une île, et celle de Lyon parce que... Lyon. Sans doute qu'elle aimait les lions, mais bon, elle savait pas l'écrire. La guerre allait enfin pouvoir être déclarée, et ce avec l'aide de l'Allemagne qui soutenait la France. Malgré un début de rela... Oh, déjà, on continuera le cours la prochaine fois. Vous allez voir, ça va être intéressant.